Cette capsule va vous montrer comment installer une imprimante sur Windows 10. D'abord, cliquez sur l'icône du menu Démarrer. Puis, cliquez sur l'icône Paramètres. Ensuite, cliquez sur Périphérique. Par la suite, cliquez sur Imprimante et Scanner. Après, cliquez sur Ajouter une imprimante ou un scanner. Vous allez voir la liste des imprimantes que vous pouvez ajouter. Cliquez sur l'imprimante que vous voulez ajouter. Puis, cliquez sur Ajouter l'imprimante. L'imprimante s'installe. Elle apparaît ensuite dans la liste des imprimantes et scanners.